Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale. Sous les pavés de la télé libre, mais aussi sous les pavés de la maroquinerie, cette salle de concert parisienne installée dans un ancien atelier de travail du cuir. À l'heure où vous regardez cette émission, le groupe que nous allons vous présenter n'existe plus. Fondé en 1999 à Grenoble, ce collectif de musiciens avait, lors de sa formation, déjà annoncé sa mort. Il ne peut y avoir de prédiction sans avenir. C'est ainsi qu'ils avaient nommé l'un de leurs 5 albums, et c'est ce qui va se passer là, maintenant, ici. Une prophétie. Pour vous ce soir, rien, et rien d'autre. Rock'em! Que tout le monde est détendu, nous, ça va. Il y a 5 minutes, nous avons transféré dans le logiciel de notre confection toutes nos archives. Les vidéos tremblotantes, les interviews grotesques, la comptabilité trafiquée, les plans loups sous le périphérique lyonnais. À partir de toutes ces données, notre algorithme a élaboré la phrase d'introduction parfaite qui résume notre quête de bon goût musical. Cette phrase, la voici. Bonsoir, Paris. Allez, c'est parti. 4, 3, 2, 1. Bonsoir Rien. Bonsoir. Pourquoi vous avez fait de la musique? Oh nom de Dieu. Oh merde, oh putain. Oh nom de Dieu, on avait dit des. Oh là là là. Alors, putain, c'est vraiment par hasard en fait. Vu que je te raconte une histoire, je vais te raconter une histoire toute simple. En fait, c'est venu avec le théâtre. Une fois, on était dans un bar avec un collègue et tout ça, et puis une fille pas trop mal et tout, on se dit, ah super. Ah oui, on aurait besoin de mecs pour faire un peu de son et tout sur notre pièce. On est là, on y va et tout, et c'est comme ça que j'ai commencé la zik en fait. Ok. Très tard, à l'âge de 18 ans, très très tard. Et vous étiez tous sur la même nana ou Ah non, c'était pas du tout avec ces gens-là, c'était avec un autre gars, putain, qui picolait pas mal à l'époque, mais maintenant, tu connais plus du tout. Thank you.
Pourquoi rien alors? Pourquoi ça paie rien? Parce qu'il y avait toujours cette idée un peu de discours qui dépasse un peu l'œuvre. On était beaucoup là-dedans, dans ce truc un peu d'art contemporain, même si aucun d'entre nous n'a fait les Beaux-Arts. J'ai fait quand même Histoire de l'art. Hein. T'as fait Histoire de l'art? J'ai failli passer l'année là. Ouais. Puis t'avais posé aussi une nuque. Oui, ouais, parce qu'à l'époque j'étais au conservatoire de théâtre et j'avais vraiment pas de sous. Et du coup en face il y a une annexe des Beaux-Arts et du coup il fallait poser à poil et tout. Alors c'était pas évident les premières fois, après ça. Donc les gens travaillent. Ça fait de l'argent. Et ça fait un peu de sous. Ouais. Et donc du coup, pourquoi rien? Bah parce que voilà, c'était un nom, on sortait un peu de l'adolescence, on n'était pas tout à fait sortis. Moi j'avais quoi, 20 ans, 19 ans? Mais tu sais, maintenant ça dure, je trouve. Ouais. Et du coup, t'as un nom un peu qui peut être vite perçu comme, ouais, tu vois, c'est un peu, bon, concept un peu merdique, post-adolescent. Et à la fois, c'est un nom qui a résisté avec le temps. Ouais. Et qui essayait de chercher un peu plus loin que, et de, déjà de définir la musique, voilà, ouais. Avant même qu'elle existe. C'est-à-dire qu'on a donné le nom du groupe avant même qu'on ait fait la seule note, quoi. Vous êtes formé en 99 et dès le début vous avez annoncé votre mort en 2014, donc maintenant. Pourquoi avoir pris cette décision? Quel sens ça avait à l'époque, il y a 15 ans, quand vous étiez peut-être jeune? Et aujourd'hui, quel sens alors ça avait? On va corriger un peu la chronologie. Disons qu'on a créé ce projet qui se voulait un peu éphémère à la base. Et puis suite à un succès d'estime de la part de notre entourage, on s'est dit, bon, tiens, on va continuer un peu, on sait jamais. Et donc ça, en fait, l'arrêt de 2014, c'est en 2003-2004, quand tout de suite, j'ai vu que certains, en fait, allaient de toute façon partir en couille sur leurs 35 ans et faire des enfants, quoi. Alors qu'on sait très bien que aucun avenir. Moi, j'ai attendu 38, quoi. T'as attendu 38 ans. J'ai attendu 38. C'était bien aussi, ça a toujours participé à rien d'écrire les choses avant qu'elles existent, quoi. Exactement. Il peut y avoir de prédictions sans avenir. Voilà. Tout à fait. Mais du coup, il y avait toujours ce truc de bon, bah, nous, on va mettre une fin, et puis comme ça, ça nous donnera aussi l'envie d'aller jusqu'au bout. Parce que ce groupe aurait pu s'arrêter en 2010, honnêtement, quand tout le monde s'est un peu dispersé. Ouais. Et finalement, on s'était dit, 2014, on va tenir jusqu'au bout, on va faire des EP, on va pas être trop ambitieux, on fait une sorte de compte à rebours, et ça nous a permis de tenir jusqu'ici, dans cette cave humide. Voilà. Ouais. Quel est le putain de souvenir que vous garderez de votre aventure? Bah ici quoi, je veux dire, c'est formidable. Non, on regarde jamais derrière, donc micro. C'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite. Le plombé à Paris, à plus de 55 degrés. L'espace bien. La ventile en panne à plus de 55 degrés, des gens qui tombent, tout le monde à poil, ça coulait de partout. Ouais. Ça, on était vraiment, je pense qu'on était vraiment dans le combat là. Là c'était bien, on était vraiment dans le combat. C'était le lendemain des Eurocannes où on avait très déçu ce festival. Je trouve ça assez nul. Enfin, moi personnellement, spectateur, je le ferai pas. Parce que bon, il y a pas beaucoup de scènes qui sonnent et puis toujours en même temps, c'est le bordel, il fait péter de monde, c'est chiant. Enfin voilà, ça coûte super cher. Enfin, je comprends pas le truc en fait. Et après, on est arrivé dans ce petit endroit et tout, super chaleureux, on peut le dire, 55 degrés, du monde et tout. Et je sais pas, moi je trouve qu'on était là où il fallait ce jour-là.
j'ai vachement du mal à croire à votre séparation parce que déjà quand j'écoute votre musique, je ressens des choses vraiment très fortes et je me doute que c'est la même chose pour vous. En plus de ça, vous avez réussi quand même à vous imposer, à remplir des salles au fil des années, à vraiment créer votre identité. Et là, d'un coup, tout s'arrête. Est-ce qu'après rien, vous continuez, vous montez un groupe qui va s'appeler Tout, vous, qu'est-ce qui va se passer? Les contrats d'exclusivité, on peut pas parler. On peut pas en parler aussi, c'est vrai. Non, je pense que ce qui est important, une nouvelle fois, et là je vais citer mon ami Drexel qui cite un film, mais c'est le chemin parcouru, quoi. C'est pas tant le fait qu'il y ait un début, une fin, c'est juste tout ce qui est entre les années que tu fais avec une bande de potes et comment tu fais tout ça. En fait, la musique, c'est presque un truc anecdotique dans le reste. Enfin, en tout cas, pour moi. Vous regrettez rien? Voilà, c'est ça. Absolument pas. Non, ouais. Après vous, c'était qui le meilleur groupe du monde? Alors là, ça, je suis très étonné qu'il y a plein de gens, maintenant, quand on arrête, ils disent qu'on est le meilleur groupe du monde. Alors, moi, c'est une question que je pose à tous les groupes. Fallait investir avant, les mecs. Après nous, le meilleur groupe du monde, je vais dire, c'était pas un groupe pour moi. Non mais c'est vrai, enfin je veux dire, tous les groupes c'est quand même l'arnaque, ouais. C'est quand même l'arnaque, non? Non mais il y a des groupes, il y a vraiment des groupes bien. Non, moi je pense qu'il y a Bach, il y a Stravinsky, ouais, tu vois, on va pas se comparer à ces gens-là, tu vois, mais bon, c'est des mecs qui sont intéressants, après tout le reste, bon, c'est de la pop, c'est de la variété, tu vois, c'est de la pop variété, et nous aussi c'est ça, tu vois, c'est de la mélodie, mais bon. Une épitaphe. Ben si j'ai rien, et rien d'autre. Et rien d'autre. Alors c'est ce qui sera écrit d'ailleurs sur notre pyramide que Tombale, notre, voilà. Qui sera posé donc sur les coordonnées géographiques indiquées dans la pochette de notre dernier album. Donc pour tous les gens qui veulent se recueillir à un moment donné parce que ce groupe a représenté quelque chose, donc ils pourront aller là-bas. C'est un sentier, il faut un peu de marche. Ouais, et puis c'est pas très accessible. C'est pas très accessible. Prenez une pince coupante. Il faut une pince coupante. Si j'y rien et rien d'autre. Je me sens bien, c'est bien. C'est quoi votre blague de musicien préféré? C'est celle-là, si. Moi, je te la fais, c'est un mime. Alors, on arrive dans la salle, souvent des salles, alors quelquefois des salles super équipées avec des mecs qui sont la musique et tout, le diablage, on connaît, tu vois. Et on arrive, on regarde la salle et on fait... Ça sonne pas. C'est ma préférée, celle-là. Les blancs, ils sont... Oh.